La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, Winterhouse Hotel, c'est le nom du livre dont on va parler, Ben Gutterson, avec Anna Morier-Genoux de Payot Libraire. Bonjour Anna. Bonjour Stéphane. Alors, c'est le premier roman de Ben Gutterson et on est en plein dans la thématique de l'hiver, avec cet hôtel qui a tout pour être extraordinaire. Exactement, un hôtel merveilleux qu'Elisabeth va découvrir pendant ses vacances. Elle est envoyée là-bas pour faire ses 3 semaines de vacances d'hiver. Elle va découvrir cet hôtel extraordinaire, se lier d'amitié avec Freddy, un jeune garçon de son âge qui est tout aussi fan qu'elle d'anagrammes. Et ensemble, ils vont passer les plus belles vacances d'hiver qu'on puisse imaginer. Mais Elisabeth sent bien qu'un mystère plane quand même sur cet hôtel. Elle entend des brides de conversation un peu étranges. Il y a un couple assez bizarre qui arrive en même temps qu'elle. Et surtout, elle surprend le directeur de l'hôtel qui furette toutes les nuits dans la bibliothèque. Et elle va essayer de percer les mystères de ce lieu. Alors j'ai lu beaucoup de bien de ce premier roman de Ben Gutterson, notamment qu'il ravit les fans de littérature. Qu'est-ce qui fait que les fans de littérature vont adorer ce livre ? On est déjà l'ambiance de l'hôtel qui est obligée de nous faire penser au Grand Budapest Hôtel. Et aussi ce côté mystère, plus on avance, plus le mystère s'épaissit. Et on sent qu'on approche gentiment et on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à la fin. Bon, eh bien pour les vacances d'hiver ou pour l'hiver tout simplement, on vous conseille Winterhouse Hotel de Ben Gutterson. Merci beaucoup Anna et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de Marc Page et rendez-vous sur latélé.ch quand vous le souhaitez. À bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.